Bienvenue à tous, je suis Quentin et je serai votre présentateur pour cette Fashion Week et sa bière orchestrée par les P1 en cette année 2020. Nous avons les plus grands influenceurs du moment et ils ont été sélectionnés notamment grâce à leur placement de produits incroyable. Leur défilé ne devrait pas tarder à commencer. Nous sommes en direct live, c'est extraordinaire ce que nous vivons en ce moment. Et je viens de recevoir que le défilé est en train de commencer. Regardons cela tout de suite. Et nous commençons directement avec Julia et Luna, hein, qui apparemment a une expérience qui a mal tourné. Mais on peut voir quand même la symbiose avec, entre les deux filles. Elles ne sont sans doute pas meilleures amies pour rien. La synchronisation est parfaite. Un très beau défilé de leur part. Nous enchaînons ensuite directement avec le jeune nouveau Sacha. Nouveau talent sur ce défilé qui est aussi une très belle photo, hein. On voit très bien la luminosité, elle est parfaite. Une pose très professionnelle, la pose de la statue qui est très dure à maintenir, très bien orchestrée par ce jeune talent. Ensuite nous avons Adem qui nous présente une photo très déterminée, hein. Dans son regard ça se voit, la passion se déborde. Le slow motion rajouté par la production qui montre le talent de ce jeune influenceur. Ethan, nous pouvons voir que c'est Ethan le prochain talent à faire son entrée avec son très grand placement de produit pour les calculatrices. Une jolie pose de côté qui nous présente. Une course ensuite pour descendre le tapis. Très intéressant. Et ensuite Luna qui enchaîne directement un post Instagram très actuel avec les masques Super U, une belle pose de l'effrayé qui fait le travail pour son premier défi elle aussi. Et ensuite nous enchaînons directement avec Gabin pour pareil un sujet d'actualité, hein, les gants pour se protéger, très important. Une belle pose maîtrisée de la part de Gabin. Son costume de mousquetaire, très tendance, très tendance. Ensuite Grégoire fait son entrée sur le défilé, une très belle photo aussi déterminée que Adem pour les créer. Une pose ou un dab très rapide mais qui est très efficace dans ce genre de défilé. Et ça enchaîne très vite avec Iliana qui monte son cours. Voilà, un beau placement de produit pour le fromage de chèvre. Il est très bon, je l'ai déjà goûté en plus. Une pose au ralenti aussi. On sent l'expérience dans le défilé d'Iliana. C'est très beau à voir. On peut la féliciter déjà pour ce passage. Et directement l'IAD et son costume d'Avengers, notamment Captain America, avec son placement de produit pour l'anti-moustique, très actuel, surtout aux sablières où nous sommes infestés. C'est très beau. Oh, une pose très audacieuse. Audacieuse et très rudement menée. Et il laisse sa place directement à Inès. Inès qui est aussi à son premier défilé pour son placement de produit pour les calendriers. Une très belle photo. Et une pose très simple mais très efficace de la part d'Inès. Pour un premier défilé, on peut dire que c'est réussi. Nous avons Hugo. Hugo qui fait place à son tour avec son placement de produit pour le pistolet, hein, antibactérien. Ah, les mains sur les hanches, très bien mené. Il peut être fier de lui aussi pour ce très beau passage. Et ensuite Alban qui a sorti son très grand costume. Très beau costume. Et son placement de produit pour la baffle Blast que moi-même je possède, qui est très bien. Et pareil, une pose très bien menée, très propre sur lui-même. Il peut être aussi fier de lui pour ce passage. Et on enchaîne direct avec Julia, pardon, et son placement de produit pour les mémories dinosaures. Très intéressant et très audacieux comme choix de placement de produit. Et quelle belle pose. Elle est très. On sent l'espérance, hein. On sent que c'est pas son premier défilé à Julia. Et qui laisse sa place ensuite à Calista. Calista qui a un placement de produit très audacieux aussi. Les cartes son. Mais si. De toute façon, qu'est-ce que.
La pose de l'étoile. Très belle pose de la part de Calista. Calista qui va laisser place à Charlie. Charlie, si je me souviens bien, a fait le record de likes avec 5 millions de likes sous son post Instagram pour les thermomètres. C'est pareil, qui enchaîne ensuite avec la pose de la statue, que nous avons déjà vue, mais qui est très bien menée de la part de Charlie aussi. C'est très beau. Et nous avons la petite dernière aussi, qui a son premier défilé, mais très belle avec sa couronne, avec son post Instagram pour les pistolets là-haut. Nous voyons, attention, la pose. Une très belle pose, très bien menée de la part de Jade. On peut être fier d'eux. Et c'est ainsi que ce semblant de défilé se termine. Nous remercions tous nos petits P1, nos petites stars qui se sont donné la tâche tout le long de cette semaine. Et nous vous remercions à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt.